Yo, comme vous l'avez vu avant de cliquer, je me suis lancé un petit défi personnel sur un mouvement en particulier, il s'agit des pompes. Alors, pourquoi les pompes? Tout simplement parce que si vous avez suivi les dernières vidéos, notamment l'avant-dernière il me semble, j'ai réalisé un défi qui consistait à battre le record de Thibaut InShape, qui consiste à faire 100 pompes le plus rapidement possible. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en description. Je ne m'étais absolument pas préparé à ce défi, j'avais allumé la caméra et sur un coup de tête j'avais réalisé le défi et au petit bonheur la chance, en espérant pouvoir le battre. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous êtes bien au courant, je ne l'ai absolument pas battu, j'ai fait plus du double de son temps. J'ai réalisé un temps de 4 minutes 56, ce qui n'est pas ouf du tout, on va pas se le cacher. Si j'ai décidé de m'entraîner un mois sur ce mouvement, c'est qu'il y a une raison que je me trouve très mauvais. Je pourrais ensuite du coup prendre ma revanche, faire mieux que 4 minutes 56, ce qui n'est, je pense pas, très compliqué à faire. Alors, nous sommes donc début juillet. Très exactement, nous sommes le 3 juillet. J'ai fini de concevoir le programme hier. À la base, je devais commencer le jour 1, c'est-à-dire le 1er juillet. Mais on va louper le jour 1, du coup, on va passer directement au jour 3. C'est-à-dire le premier entraînement aujourd'hui, le 3 juillet, mercredi. Mardi, c'était repos. Enfin bref, je vous présente après tout le programme en détail. J'ai donc conçu un programme qui s'étale sur 30 jours, donc de début juillet jusqu'à fin juillet. Le 30 juillet, dernier jour du programme, je vais donc prendre ma revanche, refaire le défi des 100 pompes le plus rapidement possible, et j'espère bien pouvoir battre mon record. Non, c'est pas tellement un record, enfin bref, vous m'avez compris. On pourra donc constater la progression et l'efficacité du programme que j'ai conçu. Au début, je voulais pas me faire chier à faire un programme moi-même, je me suis dit qu'internet était assez vaste pour pouvoir me proposer un programme plutôt pas mal. Je suis tombé sur la plupart du temps sur des programmes sur 30 jours, mais avec des entraînements tous les jours. Au début, c'est facile, mais après, ça devient très intense. Enchaîner tous les jours sur les pompes, je me suis dit que ça me paraissait bizarre et il y avait vraiment que ça. Alors franchement, j'ai très vite vu la gueule du programme et je me suis dit que si je prenais un truc sur des pompes tous les jours pendant 30 jours, c'était impossible que je progresse. En fait, l'objectif des programmes que j'avais trouvé, c'était de pouvoir faire 100 pompes d'affilée à la fin justement des 30 jours. Sauf que c'était vraiment des pompes tous les jours. À la fin, c'était 80 reps, 4, c'est impossible à tenir. Concrètement, c'est impossible. On va attraper une fatigue, des douleurs. C'est bon pour se flinguer les épaules. C'est pas le bon truc que je conseille. Finalement, pour éviter pas mal de problèmes, j'ai donc créé mon programme qui s'étale sur 30 jours, mais avec un jour d'entraînement, un jour de repos et ainsi de suite. Je vous l'affiche donc à l'écran juste à côté de moi. Si vous me voyez, regardez là-bas, tout simplement qu'il y a mon programme sur l'ordinateur. Au moins, je vous le lis en même temps qu'il est sur l'écran. Donc, on part du principe que le jour 1, c'est le 1er juillet et que le jour 30, c'est le 30 juillet. Donc, je vous ai pas marqué les dates histoire que si vous voulez faire le même programme, vous puissiez le faire à n'importe quel moment, tout simplement. Alors, jour 1, on commence facilement 20 reps, 20 reps, 20 reps. Donc, celui-là, pour être honnête, je vais pas vous mentir, je vais pas le faire puisqu'on est le 3 juillet. Je vais commencer directement aujourd'hui par le jour 3, donc 25 reps x 3. Le jour 5, vous pouvez voir que là, on ne fait pas 30 reps sur les 3 séries, mais on va diminuer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, au fil des jours d'entraînement, j'ai augmenté le tonnage. Le tonnage, c'est-à-dire le nombre de reps, donc de plus en plus de reps. On n'est pas passé de, par exemple, jour 3, on est à 75 reps. Je ne suis pas passé au jour 5 à 70 reps. Non, toujours, j'augmente les reps pour qu'au final, on arrive au plus possible et que jamais ça reste constant ou que ça diminue. Ça monte toujours. Le tonnage augmente toujours. Donc, j'ai fait un truc plutôt cohérent, c'est-à-dire que la première série, à chaque fois, elle augmente. La deuxième série augmente aussi, ainsi de suite. Alors, je préfère préciser, mais le but de tous ces entraînements va être de faire les pompes le plus rapidement possible. Donc, je vais chronométrer toutes les séries, comme ça, on pourra plus ou moins voir la progression au fil du temps et je ferai un gros débrief dans une vidéo finale dans un mois. Je ferai une vidéo où je relève le nouveau défi du coup des 100 pompes le plus vite possible et je ferai sûrement une deuxième vidéo où j'explique un peu toute l'avancée, tout ce qui s'est passé, les points faibles, les points forts de ce programme. On verra bien, je ferai peut-être tout dans la même vidéo. Alors honnêtement, jusqu'au jour 9, ça va être facile. Et ensuite, crescendo, on va monter dans la difficulté. Ce que j'ai fait souvent, c'est qu'il y a juste la première série, on fait 5 reps de plus par rapport au jour précédent et qu'après la deuxième et la troisième restent pareil. Ah oui, concernant le temps de repos, je me suis pas fixé un temps de repos précis, c'est-à-dire que je vais le faire au feeling, mais je vais plus ou moins me situer dans des fourchettes comme vers le début je vais sûrement être dans les 2-3 minutes et vers la fin je vais sûrement être entre 5 et 8 minutes entre les séries. Donc ce n'est pas un entraînement pour l'hypertrophie musculaire, le but n'est pas de prendre de la masse au niveau des pectoraux, j'ai largement ce qu'il faut. Non. Bref, non, le but est de faire les reps explosives le plus vite possible, tout en étant propre sur le mouvement bien évidemment. Donc franchement, faut voir que là ça va quand même être coriace, genre 25-80 reps en première série, là je vais douiller. Concrètement, je pense pas pouvoir faire 80 reps d'un coup. Franchement, peut-être hein, le programme est peut-être conçu par un génie, je ne sais pas. Du coup, dernier jour véritable d'entraînement, ça va être 90 reps en première série, là je vais bien douiller aussi. Deuxième et troisième série, 40 reps. Donc après 2 jours de repos, genre 28-29, comme ça on récupère bien. Au total, ça fera donc 72 heures de récupération, ce qui est vraiment pas mal pour relever une deuxième fois ce défi et être dans les meilleures conditions possibles. Donc jour 30, comme vous pouvez le voir, 100 reps, ça sera donc le 30 juillet. Bref, voilà pour le programme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous auriez fait 2-3 petites modifications, je peux encore le modifier, bien sûr, on est au début du mois. Je trouve que ça reste un programme pas mal puisqu'on va pouvoir s'entraîner tout en récupérant bien le jour d'après, ainsi de suite. En gros, c'est une boucle. Je tiens à préciser que je vais continuer à m'entraîner par contre à la salle à côté. Donc je vais m'arranger à chaque fois pour faire ma séance pompe avant d'aller à la salle. En gros, je vais donner priorité à ce programme pompe plutôt qu'à ma planif en musculation. Même si, qu'on soit clair, ça va pas trop influencer mes performances à la salle. C'est pas des pompes qui va niquer ma séance jambes, ma séance dos.
À la limite, ça va peut-être me pénaliser sur les séances pec, mais je ferai en sorte de caler ma séance pec après un entraînement pompe. Au moins, j'aurai le temps de bien récupérer le lendemain. Et... bref, tout est une question d'organisation, de planification. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sinon, je te casse les jambes à Colmar. Alors, je ne pense pas filmer toutes les séances. Si je vous filme toutes les séances, très franchement, si je vous les mets une par une, vous allez tous vous faire chier et ne pas tout regarder. D'accord, qu'on soit clair. Ce que je vais faire, par contre, c'est vous filmer en story sur Instagram mes entraînements. Je vais essayer d'un peu tous les filmer en vous donnant à chaque fois quel jour on est. Je vous donnerai mes ressentis si tout s'est bien passé. Enfin bref, si vous voulez suivre tout ça, suivez-moi sur Instagram. Donc dans un mois, le 30 juillet très précisément, je refais le défi des 100 pompes le plus rapidement possible. Le 30 juillet étant un mardi, ok, du coup le temps que je fasse le montage, vous aurez sûrement la vidéo entre le 1er et le 3 août. Et ensuite, je vous ferai une grosse vidéo débrief sur ce mois d'entraînement, tout ce qui a pu se passer, tout ce que j'ai pu trouver de positif, de négatif, tout ce que je devrais corriger à mon programme. Une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir me rendre compte vraiment des points négatifs. On prend donc constat s'il y a progression, stagnation ou régression. Régression, je ne pense pas. Stagnation, je ne pense pas non plus. Il y aura forcément progression. Le but étant de minimum être en dessous des 4 minutes. Je donnerai tout. Je ne veux pas faire plus que 4 minutes. Et dans l'idéal, si je peux faire vers les 3 minutes, ça serait vraiment top. Comme ça, au moins, si j'ai trouvé un vrai programme qui marche, vous l'avez déjà. Vous pouvez le refaire chez vous et progresser au bon, tout simplement. Je vous laisse m'ajouter sur Instagram. Il s'affiche sur l'écran. Je suis actif tous les jours là-dessus. Si vous avez des questions à me poser, ça se passe sur Instagram. Je réponds très rapidement. Du coup, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le futur contenu. Je vous dis bye bye. C'était moi-même. À la prochaine.